Salut, c'est Geek Forever, on est le même jour que... C'est qui là? C'est... Espio, ok. Qu'est-ce que je disais? Allez, écoutez cette musique. Je suis vraiment content parce que là, je vous montre ça parce que là, c'est un niveau sur Sonic Heroes. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez à quel point... Hein, je peux pas? Si. Voilà. Vous savez à quel point j'aime Sonic Heroes. Alors on va commencer par l'étape 2, puis l'étape 1. Ils ont choisi Ocean Pass. Non, la première zone, là je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je vais vérifier, mais ça m'énerve, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et pourtant j'adore ce jeu, Sonic Heroes, parce que je crois d'ailleurs que c'est mon tout premier jeu Sonic, hein, sauf de ma part. Je suis même sûr. Ils ont refait le niveau, c'est indéniable. Là, je venais de me faire Sonic Adventure 1 et 2. Et là-bas, oh punaise, les mêmes ennemis. Il n'y avait pas les ennemis qui tournent, mais c'est pas grave. Ils auraient pu les remplacer par. je sais pas, par les robots volants. Simplement, c'est aussi des robots volants, mais laisse tomber. Ceux qui ont joué à Sonic Heroes, ils savent ce que je veux dire. Les vrais. Oui, c'est vrai, on est en 3D, je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête? Non, c'est pas là. Saute! Qu'est-ce qui me coince là? Ok, je suis coincé, nickel. Bon. Retourne en haut. C'était beaucoup plus drôle dans Heroes pour le moment. Allez hop. Ils ont très vaguement. Ils ont gardé le canon, c'est génial. Je disais, ils ont très vaguement changé la musique du niveau, mais bon, vu que c'est sorti sur une génération avant, je pense qu'ils pouvaient laisser voilà, à peu près la même musique. Je sais, le jeu est aussi sorti sur PS2 et peut-être sur Xbox, j'en sais rien. De toute façon, moi je m'en fiche de la PS2 et de la Xbox normale. Là, c'est GameCube, ce que j'aime. J'ai raté, tant pis. Il y avait de l'eau, Sonic, exagère pas. Je disais, pour ceux qui savent pas, Sonic Heroes, hein, tu fonçais pas toute berzingue comme ça. Hein, il y avait plus le côté plateforme que le côté vitesse. Même si des fois, forcément, il y avait un côté vitesse. Parce qu'on est dans Sonic, quand même. Et oui, dans Sonic Heroes, c'était pareil. Tu tombais dans l'eau, t'étais foutu. Pas diriger le canon comme dans Sonic Heroes, c'est dommage. Yes. Est-ce qu'on est sur les tortues, là, comme dans Sonic Heroes? Bah oui. En tout cas, c'est ce que je vois, moi. Et ça me fait plaisir. Oui, c'est bien les tortues. Elles ont pas la même couleur, tout ça, bon, ça va. Oh, les ventilos, mais oui, mais c'est ça qu'on veut! Une vie. Le petit caillou. Je sais plus où je vais. C'était trop ouvert pour moi.
C'est... Non! Je me trompe peut-être, mais je crois avoir vu un sol. On va dire que j'ai pas vu de sol. Et je parle pas du poisson. Et on dit une seule. Ah, on parle du poisson. Ne vous gênez pas. Voilà, c'est très intéressant. La porte, mon gars! Ma porte! Oh là là, que c'est génial! Là, je crois qu'à aucun moment dans Sonic. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'à aucun moment dans Sonic Heroes, tu. T'as un passage en 2D comme ça. Ça, c'est un truc qui a été plus ou moins installé par Unleashed, je crois. De toute façon, j'ai pas joué à Unleashed, je serais pas obligé. Ah! Je suis pas sûr qu'il y avait ça dans ce. Ça, c'était plutôt un truc de style Sonic Colors, ça. Non, 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 non! Ah, mais attends, je suis pas encore mort, mon gars. Je vais même finir ce niveau. Raté. Ah, les grosses boules. Qu'on peut aussi retrouver dans Sonic All-Stars Racing, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, Sonic All-Stars Racing Transform, ils ont repris Sonic Heroes par le fait. Et c'est une très bonne chose, j'adore Sonic Heroes, même si des fois j'ai tapé des crises de nerfs pas possible dessus. Et je l'ai jamais fini Sonic Heroes, hein. Jamais intégralement. Bon, maintenant on va passer au Sonic Retro. Vous le savez, hein, vous le savez, je sais que vous le savez. Je sais que vous savez que je sais que vous savez. Bon, ça suffit. Hop. Et après ça, il est possible que je tourne une deuxième vidéo le monde auquel je pense arrive après. Ok. A pour dessin. Yes! Avec le bel arc-en-ciel et les îles à fond. Bulle. Plein dessus. Une bulle. Saute sur la plateforme. Il dirait qu'il se passe une fête à la surface, écoutez ça. Ok, la fête, c'est par où j'entends la musique. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit passage, mais moi je veux juste continuer dans le chemin normal. On va peut-être prendre le passage finalement. Ah! Oui, je sais que ça ne servait à rien de prendre une bulle, alors. Dépêche-toi. J'ai pas envie de mourir noyé. Personne n'a envie de mourir noyé, d'ailleurs. Bon, on va pas continuer. Ça ne sert à rien. Je saute. Ok, vous inquiétez pas. On va réussir. Enfin, je vais réussir. C'est moi qui joue, voilà, c'est pas vous, moi. Ou ne servait à rien d'autre que me donner des vues, des likes, bon, oh, oh. Bon. On ramasse les anneaux. On prend le checkpoint, hein, s'agit de pas recommencer au début quand même. On fonce. Ça servait pas à grand chose de foncer, on s'est juste pris un énorme mur. Bon. Oh yes. Saute. Mon dieu, j'aurais pu me faire écraser. Merci de m'avoir fait avancer. Voilà, fonce. Fonce, Sonic. J'entends mon oxygène se raréfier, tout à fait. Saute. Non, n'y pense même pas. La musique flippante, c'est pas pour moi.
Enfin, ils sortent du sol, ces robots, toi bien. Merci de m'avoir empêché de finir. Hop, saut. 600. Vous l'attendiez, et si vous ne l'attendiez pas, elle va être rouge. Oh, qu'est-ce que je vois? Allez, saute. Ouais, sois content de toi, empêche que tu m'as... Ça, ça l'air rien. Encore une de ces plateformes qui remonte pas. Voilà, remplacez, remettez-nous une belle musique de Sonic Heroes. Un peu remixé, il est vrai. Je l'ai raté. Voilà, j'y étais presque. Il n'y avait pas de truc sous-marin dans Sonic Heroes, je vous le dis. Je voulais dire, tu tombais dans l'eau, t'étais mort. Oh bah merci, il n'y avait pas ça dans Sonic Heroes non plus, mais ça aurait été cool. Il y avait des animaux comme ça, mais on les voyait très peu. Là, ils étaient... Ouais, ils étaient vraiment anecdotiques, quoi. Un peu comme dans Sonic Adventure, quand Sonic court, et que vous savez, il y a les orques derrière, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un courant? Je crois. Je vais esquiver. Je vais me la prendre. C'est sûr, je vais me la prendre. Mais j'avais mes anneaux, pourquoi je suis mort? Je suis avant le carreau d'oxygène. J'ai raté. Je pense. Ah oui, je savais pas que je pouvais passer par là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon je risque de tourner une deuxième vidéo sur le niveau d'après, parce que si je me gourre pas dans les dates, celui qui se passe après m'oblige à faire une vidéo dessus. Hein. C'est pas que ce soit un auquel j'ai joué, hein, loin de là, mais voilà, ça m'intéresserait. Bon, la boule a continué, non mais stop. Elle a ralenti, c'est bien ça, donc on a quand même. J'ai complètement raté, j'ai complètement... Oh merci. Voilà, j'ai cru que j'étais mort, hein. J'avais disparu. On va voir après c'est quel niveau. Quoique je pense avoir une petite idée sur le sujet. Je pense que vous avez tous déjà deviné à quel jeu je pense. Seaside Hill. Enfin, pour ça d'abord, faut d'abord que j'affronte le boss. Et ça je vais le faire en vidéo, vous inquiétez pas. Ah bah, il se passe quelque chose. Bon, je crois qu'on y voit un peu plus clair sur ce qui se passe. Et c'est pas bon du tout. Encore lui. Quand ce truc voyage dans le temps, il crée une faille dans l'espace. C'est ainsi qu'il plonge les lieux dans ces étranges... Ouais, le monde qui vient après, je suis obligé de le tester. Désolé. Merci, mon ami. Prends garde, car j'ai pu sonder l'âme de notre ennemi, et je n'y ai vu que des ténèbres. C'est pas la même voix que dans le dessin animé, ça.